Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est notre troisième poupée. Et après, ce sera la dernière. Ce sera le chevalier. Vous savez tous que maintenant c'est elle. Parce que je l'adore. C'est vrai que elle est un peu comme ça et un peu comme ça. C'est vrai. Mais c'est la danseuse. Voilà. On va commencer à l'ouvrir. Alors, on va vous dire tout ce qu'il vous faut comme élément. Alors, ça, c'est ce qu'on va mettre en dessous de la jupe, le truc blanc. Ça, c'est ce qu'on va mettre en premier, comme ça. Vous voyez, comme ça. Parce que c'est très beau. Ensuite, on a les petits yeux. Cette bandette qu'on va mettre sur les cheveux, ça, ça va mettre autour de sa taille. Les cheveux, alors ça, il faut faire très attention pour les enfants. La tête, alors ça, la tête. Les, vous savez, c'est pas les pieds cette fois. Cette fois, c'est les, on va dire les bras. Les jambes, les étoiles, je ne sais pas à quoi servir elle. Le petit pompon pour faire, je pense, les pieds, je pense. Et ça, c'est pour faire le corps. Alors, on va faire la poupée. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va trouver une solution. Au revoir.
pris notre petite poupée, quand même. Ça allait un peu, mais pour les cheveux, ben, j'aurais pas pu le faire. Mais ça, ça et tout le reste de corps, j'ai réussi à le faire. Alors, j'aime bien le résultat de notre petite poupée. On préfère une petite bouche et un petit nez, ça serait encore plus joli. Mais quand même, elle est très jolie. Et j'espère que vous l'avez aimée. Et que cette vidéo vous a plu. Et 1 million de pouces en l'air. Au revoir.